tous les gens, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un petit haul Shein. J'ai du lourd hein. Très clairement j'ai commandé 21 articles pour un budget de 80 €. Je trouve en vrai que pour 21 articles 80 €, genre c'est vraiment bizarre genre. Après j'ai eu des réductions, j'ai eu des promos, j'ai eu des codes, je sais pas trop quoi. Mais franchement c'est cool. Donc du coup au niveau de la livraison ça a mis 2 semaines à venir, parce que j'avais commandé le 25 janvier et on est le 5 février. Du coup bah ça a mis ouais 2 semaines. Donc bien sûr je vais vous montrer tout porté, et aussi je vais tout vous mettre aussi en barre d'infos pour les personnes qui veulent bah racheter des articles que j'ai achetés. Du coup c'est parti, on va commencer par le premier article. Mais alors les gars, je me souviens absolument plus du tout de ce que j'ai acheté. Genre ça va faire bizarre. Au niveau de ça, ben, c'est en mode gruyère. Tu vois ce que je veux dire? J'ai jamais acheté ça. Ah si! Je sais ce que c'est. Ah si, je sais ce que c'est. En fait, c'est un espèce de... Ouais, c'est un espèce de petit gilet. Bon, ben, je vous montrerai porté comme d'habitude. Mais waouh! Et je pensais pas... Oula, il a l'air... mon bide, il va pas passer là-dedans. Attends, il va pas passer là-dedans, mon bide. Ah oui, parce que en plus, vu que c'est la première fois que je commande sur un site... j'ai pris que du S, mais je crois qu'en fait je fais du M. Du coup je sais pas si la taille ça va aller. Mais par contre wow, je suis vraiment fan de la veste hein. Oh là. Ensuite nous avons ceci. Il y a deux trucs dedans. C'est que ça. En fait j'ai tellement commandé des trucs, je sais même plus ce que c'est à chaque fois. En fait je sais ce que c'est. C'est un ensemble. Oh là non, c'est pas un... Oh là là. Ok, donc en fait c'est un espèce de short en cuir. Mais je pensais pas que c'était comme ça en fait. Enfin c'est pas du cuir, c'est... Je sais pas trop ce que c'est. Mais c'est stylé hein, pour ça je vais pas vous le montrer porter. Parce que genre c'est un pyjama genre voilà. Mais... Je m'attendais pas à ça. Un nouveau truc noir. Ok, alors au niveau de ça qu'est-ce que c'est? Ah je sais ce que c'est, c'est la jupe et le bandeau. Ok, donc en fait j'ai vu un bandeau comme ça, genre vraiment trop beau, j'adore les bandeaux. Et j'ai vu surtout parce que c'était un ensemble et c'était avec une petite jupe. Voilà, du coup la jupe aussi. Mais par contre wow, au niveau de l'odeur je peux vous dire ça sent hein. Ah, ah, là les gars on passe à mon article préféré je crois. C'est vraiment pour ça que j'ai commandé là-bas, parce que j'ai vu ça sur une vidéo d'une nana. Et quand j'ai vu, j'étais en mode oh, 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 oh. Et en plus, ok, what the fuck. Ok, what the fuck, je le reçois, le truc il est à moitié à l'envers. À croire que les gens ils l'ont déjà essayé, mais wesh. Ils sont sympas hein, les gens. Je sais aussi que j'ai pris le même enfer, mais je vous le montrerai plus tard. Mais en plus il était en promotion, je crois que je l'ai eu à 4 €. Genre wesh, un t-shirt comme ça à 4 €, c'est trop bien. Alors ensuite, j'ai... Alors là je me suis fait un petit kiff. Là franchement je me suis fait un petit kiff. En fait, j'ai vu sur la mannequin que c'était vraiment trop beau. Donc c'est un ensemble. Comment te dire? Que cet ensemble, les gars, il est... Oula, je m'attendais pas à ça par contre. Mais wesh. Mais qu'est-ce que c'est? Attends, mais tu m'expliques pourquoi j'ai l'impression que les trucs, ils ont déjà été portés avant? Ok, donc là du coup, on va prendre le prochain article qui est en boule. Hein, le truc, il est en boule. Bon, vous voyez pas. Hop là, il est en boule. Mais je comprends pas, genre j'ai l'impression ils essayent avant d'envoyer, genre tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok, donc ça c'est un petit haut comme ça que j'ai jamais eu et que sur les nanas en général ça va grave bien. Du coup je me suis dit bon, on va copier un peu. Du coup ensuite on va passer à un truc gris. Ah non, c'est le truc vert de tout à l'heure. C'est le truc vert de tout à l'heure. Donc comme je vous l'avais expliqué, c'est le même haut beige, mais en vert du coup, que j'ai pris. Parce qu'en fait ma couleur préférée, je pense que vous savez, c'est vraiment le vert clair. Le vert clair et le jaune clair, c'est mes deux petites couleurs préférées. Du coup voilà, le même en vert. Je pense que mon favori c'est quand même le vert hein. Mais voilà, franchement je suis pas déçue. Après tout est à avoir porté, donc on verra bien. Ensuite, oh oui, je pense bien de ça. Donc vous savez que j'ai une passion pour les dragons. Et bah en fait j'ai pris le même truc. Oula non, j'ai pas pris ça. Ah voilà, j'ai pris le même truc en noir et rouge, du coup en mode dragon. Parce que honnêtement je trouve ça vraiment stylé. Je trouve ça vraiment stylé. Après franchement avoir porté, mais il est vraiment beau. Moi je trouve vraiment il est vraiment très très beau. Ensuite, bah en fait ça va faire 2 semaines que j'ai commandé. J'ai l'impression que je perds la boule, je m'en souviens plus de ce que j'ai acheté. Ok, alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est... Oh oui, je m'en souviens en fait. C'est un petit haut vert comme ça, juste basique, c'est un petit haut comme ça pour l'été. Il est hyper grand, c'est quelle taille? C'est du S. Oh, franchement on verra. On verra ce que ça donne porter. Ensuite, au revoir. Qu'est-ce que j'ai commandé à Caro?
Oui, par contre, on en parle de... Attends, si je dois le mettre là... Ah oui, mais c'est fait exprès, je sais. Bah, ok. En fait, je vous explique. Je viens de me rendre compte, mais sur la mannequin, en fait, elle avait un haut blanc. Et en fait, elle a ça, en fait, par-dessus. Enfin, pour montrer. Sauf que je pensais qu'ils vendaient le haut blanc avec... Eh, les arnaqueurs. Ah, ça se met trop pas. Ah. Alors là, du coup, qu'est-ce que c'est? Je vois encore des carreaux. Mais j'ai acheté des carreaux, moi, mais je m'en souviens pas. Donc, ah oui, je m'en souviens. Ça, cette fois, c'est une jupe. C'est une petite jupe toute mignonne, bien sympathique et tout, à carreaux comme vous pouvez le voir. Ah oui, parce que je me suis dit, vas-y, cette année j'ai envie de mettre des jupes, parce que pourtant vous savez que je suis pas très jupe, je suis surtout meuf jogging, tu vois. Et il y a le haut justement, je suis fan de ces hauts, mais je sais même pas si pour, sur moi ça va le faire, mais voilà, un petit haut noir comme ça qui va avec la jupe. Là franchement vous allez me dire, mais... Et qu'est-ce que j'ai acheté encore? Enfin, en fait, je sais pourquoi j'ai acheté ça. Par contre, au niveau des boobs, ça va pas passer. Hein. Très clairement, en fait, c'est un espèce de bandeau là, tu sais, pour que. Ah si, quoique ça passe en fait. Mais ouais, c'est pour pas en fait qu'on voie les bretelles, parce que je suis un peu complexée aussi par mes nibards. Je pense que je mettrai ça en dessous, les trucs là, comme ça. Bref, on verra. Et c'est là, du coup, on va passer aux accessoires. Donc, très clairement, au niveau des accessoires. J'ai acheté des pinceaux les gars. Vous savez ceux qui se maquillent. Les pinceaux c'est la vie. Donc maintenant c'est à voir comment ils sont. Oh oui. Il y a un pinceau éventail là pour le highlighter. Ça c'est vraiment trop bien. Ok, alors au niveau du pinceau. Oh j'aime trop. Juste regardez comment c'est trop bien. Au niveau du pinceau il est hyper souple. Mais franchement ils sont beaux en plus. Bon ils vont pas durer long feu mais ils sont vraiment beaux. Et après j'en ai acheté d'autres aussi. Aussi je les avais vus la première fois que j'ai commandé sur Shein. Je les avais vus, je les voulais et genre je les ai achetés parce que du coup la dernière fois je les ai pas pris. Et ouais pareil au niveau du pinceau c'est un peu le même style que l'autre. Mais si je devrais choisir l'un des deux, honnêtement je pense que c'est lui qui l'emporte. Ah alors ça, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça alors que j'ai déjà le même là. Alors est-ce que... Ah oui je sais, en fait j'ai acheté ça parce que... Oh mince, c'est déjà cassé. Oui, c'est bien pour mon poignet ça, regarde, hop là. Ah oui c'est vrai qu'il est grand en fait. C'est vrai qu'il est grand mais je crois qu'après ça tu peux le resserrer non? Il y a ça là, bon je sais pas mais... En vrai à voir parce que j'adore les bracelets menottes. Donc on verra. Bon là du coup je vais l'enlever. Je vais essayer de le resserrer ou de faire quelque chose. C'est vrai qu'il est grand quand même pour un poignet. Ah là c'est mon moment préféré de la vidéo. C'est des eyeliners. Parce que vous savez que j'ai une passion pour les eyeliners. Oh waterproof et tout. Oh là là les gars. Ok. Alors comment... Oh pointe fine et tout. On va faire le petit test. Oula, pointe beaucoup. Ok, bon, franchement ça va. Mais après, je suis pas à l'aise non plus trop sur le eyeliner. Mais il a l'air bien. Mais il a l'air... Il est grave noir, hein. Il fait beaucoup de noir. Et je veux te voir toi ici. Je l'ai pas pris en noir. Je l'ai pas pris en noir. Pourquoi il est de couleur comme ça? Je sais pas. Bon, allez, à voir. Oh, alors, je crois qu'au niveau de lui, je préfère lui. Ok, je préfère lui. Regardez. Il est là, je préfère ce trait là. Bon en fait vous voyez pas, lui c'est lui et l'autre c'est l'autre. Ok je préfère lui. Honnêtement ouais je pense que je préférerais lui. Ensuite j'ai acheté un petit collier. Vous savez que j'aime bien les dragons et compagnie. Et en fait j'ai tapé dragon, c'est dans la barre de recherche. Et je suis tombée sur des colliers dragons et tout. J'étais en mode ouais les gars. Du coup bah go hein. on va voir. Et là du coup on va passer aux deux derniers articles. Qui sont deux sacs. Donc j'ai pris les mêmes. En fait j'ai pris les mêmes. Donc on a le petit sac rouge. Voilà. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Voilà. Donc en fait c'est un petit sac rouge comme ça où ben, on peut mettre la chaîne et tout. Rouge comme ça. Bon honnêtement je m'attendais vraiment à ce qu'il soit plus grand. Parce que Théma, tu peux genre même pas la limite. Même le téléphone, je crois pas qu'il rentre. Hein. Tout mignon. Et puis le même du coup en noir. Voilà. Donc bon après. On le connaît déjà. Mais oh, c'est pas le même motif. C'est pas le même motif, Théma. Ça, c'est des gros trucs de crocodile. Et ça, c'est des petits trucs de croco. Mais après, au niveau des deux, je préfère lui. Pas mettre grand chose dedans, mais c'est pas grave.
Et ça aussi ça m'a coûté pas si cher que ça. Après si vous voulez mon petit secret, en fait moi je prenais surtout les... Genre vous savez il y a une catégorie où tu peux mettre l'argent que tu veux, genre de 1 à 100 euros. Moi je mettais de 1 à 5 euros. Voilà, comme ça c'est réglé parce que ça y est, j'ai... je vais pas trop investir dans ce que je connais pas, tu vois. Mais franchement je suis vraiment pas du tout déçue de tous les articles du coup que j'ai reçus. Et du coup voilà, donc les amis, j'espère franchement que cette vidéo vous aura plu. Donc moi je vous dis à bientôt, profitez de la vie, faites attention à vous et bisous à tous.